Que c'est bien que vous soyez ici. Que disent les gens ici à Barranquilla? Ils pensent quoi de leur nouveau champion? Oh, vous savez, les gens ici sont extrêmement excités, c'est la folie. Parce que bon, quand la Colombie gagne quelque bien chose, non, hein... je sais pas, l'avion d'Antonio va pas tarder à atterrir. Oui, avec qui il vient, le champion? Son manager, l'assistant de l'assistant, l'entraîneur, et puis bon, sa femme qui est enceinte et... Caliman, y a pas beaucoup de gens. Qui va venir pour recevoir le champion? Eh bien, là je vois José María Alrouré, le maire. Je crois qu'il est en train de lui préparer un accueil très chaleureux au champion. Bon bah, c'est bien, tant mieux. Oh. Attendez, s'il vous plaît, attendez, pas si vite. Attendez, allez doucement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le champion est fatigué, le champion est très fatigué, s'il vous plaît. Écartez-vous, laissez-le passer. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, vous gênez le passage. Merci. Doucement, faites attention. S'il vous plaît, doucement. Écartez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, enchanté. Ezequiel Mercado, le manager d'Antonio Cervantes, Kit Pambele, le champion du monde. Écoutez, écoutez, je suis le maire de Barranquilla. Ah, c'est vous le maire, je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît. Oui, tenez, mettez-vous là, à côté du champion. Voilà, c'est très bien. Pas de problème, mon ami. Bienvenue à Barranquilla, champion. Merci. Merci, merci tout le monde. Tout le monde veut faire une photo avec lui. Le voilà, votre champion, il est là. Venez, la suite du cortège est encore plus grand. C'est ça, allez, on y va. Merci. Au nom de Dieu, viens là. Allez, Carly. Viens là. Je suis enceinte et il ne me laisse même pas passer. Antonio! Merci! Aussi vite, pourquoi est-ce que tu m'attends pas? Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Antonio, viens là! Venez, c'est par là. Allez, suivez-moi. Venez, nous avons fait les choses en grand. Oui, ici, on est dans la même situation. Pambele est parti pour la Colombie et il a laissé de côté la station alors qu'on avait une interview. Donne-moi une seconde. T'as besoin de quelque chose? Oui, mais si tu veux, je repasse parce que je vois que c'est pas le bon moment. C'est à cause de ton cher ami Pambele qui est parti en Colombie et qui a laissé en suspens tous les engagements commerciaux que lui avait fait prendre Mercado. Premièrement, Antonio est pas mon ami. Et puis deuxièmement, ça t'apporte rien de te mettre dans cet état à cause de ce que fait ou ne fait pas Antonio. Maintenant qu'il est champion du monde, c'est certain qu'il va se faire attendre par tout le monde. Mais il devrait pas faire ça, il a ses engagements, non? Tu crois qu'Antonio va laisser tomber toute sa famille pour aller voir une tonne d'entrepreneurs qu'il ne connaît même pas? Je t'en prie. Oui, vous disiez. Aujourd'hui, c'est un moment important pour la Colombie. C'est un nouveau chapitre. Longue vie aux champions! Je vous remercie. Merci beaucoup, Barranquilla. Merci beaucoup, vraiment. Je suis Antonio Cervantes Reyes. Et je suis votre nouveau champion. Merci beaucoup, Barranquilla. C'est incroyable. Mais où est-ce qu'il est parti encore, Antonio, hein? Ah, Antonio va arriver, laisse-le fêter son moment de gloire. Allez, on y va, on y va. Il fait la fête alors que moi je me balade avec un ventre comme ça, laisse tomber. Ah, il doit avancer avant nous et tout seul, Carlina. Mais il n'a pas besoin de s'arrêter toutes les deux secondes pour faire la fête avec ces gens. Écoute, il a un titre mondial, est-ce que tu peux comprendre ça? J'ai un bébé là-dedans, qui pèse encore plus qu'une ceinture. Chispea, oh, tiens, je s'il peux te pas plaît. Avancer allez, avec toute Carlina, cette agitation. Oh, je vois Edgardo. 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 Hé, hey, Carlina. Ce sont les amis d'Antonio à la télévision. Et pourquoi t'es en sueur comme ça? Il y a beaucoup de gens, tu sais. Bordel, vous voyez pas que la femme d'Antonio est enceinte? Avance, il y a mes sœurs et maman là-bas. Et toi, où est-ce que tu vas? J'ai une course, mais après je reviens, d'accord? Bon, très bien, on y va. On pardon, y va, tu sais. Pardon, pardon, excusez-nous. Attention, elle porte l'enfant du champion. Merci, merci. Ah, mais c'est on Carly trop, ah, Carlina, ma petite. Bonjour, quelle joie de te voir. Je vois que t'as même emballé ton bébé et tout. Carly. Hé, hey, mais... Julia, regarde-toi, tu es une vraie femme. Mais ce ventre, c'est ton petit neveu. Doña Céfé, comme vous êtes belle. Venez là, asseyez-vous. Hey, ah, bonjour, Tomasa. Comment tu vas? Bien, ma belle. Bonjour, Conde. Comment ça va? Tu savais, toi? Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui. Asseyez-vous, Doña Céfé. Oh, que je suis heureuse. Voici votre petit-fils. Huberlet. Monsieur le Président, bonjour.
Regardez ça. Oh! De quelle partie du pays vient ce jeune homme? Il est de Cartagène, monsieur. Depuis quelques années, il vit au Venezuela, mais il semble qu'il soit venu fêter sa victoire en Colombie. S'il te plaît, va parler avec le gouverneur de Bolivar pour qu'il leur organise une réception convenable. C'est quelque chose de très important pour le pays. Bien sûr que oui, monsieur. Bien sûr que oui. Premier champion du monde de la Colombie. Mais quelle merveille! Attends, ralentis un peu. Oh non. Monsieur, je vais chercher les cadreurs, je reviens. Oui, 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 et fais vite, Benito, s'il te plaît. Et Caliman, on dirait que c'est un vrai festival international. Eh ouais. Chaîne de télévision et tout, regardez ça. Mmh. Ce journaliste que vous avez envoyé, ah, là, franchement... Commencez pas avec ça, vous savez très bien que c'était le seul que j'avais sous la main à ce moment-là. Oui, mais bon, je vous avais bien dit de me faire confiance et d'y croire. Oui, je sais. J'avais une intuition, un pressentiment, mais vous avez pas voulu m'écouter. Il faut m'écouter pour que ça se passe bien. Oui, 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 mais si vous aviez été là en Colombie à ce moment-là, je vous assure que vous auriez pas cru autant en Pambélé. Non, mais je vous ai dit que je pouvais pas. Très bien. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ah. Il se trouve que le producteur des sports d'Inravision m'a dit de vous demander de faire l'interview. Alors, vous êtes célèbre, hein? Oui, eh bien, quelle bonne nouvelle. En plus, je crois que tout a été organisé par vos amis de Caracas. Attendez, vous êtes sérieux? Mmh, oui, ouais. Eh bien, Caliman, pour moi, ce serait un véritable honneur de faire l'interview de la famille du champion, vous savez. En plus, ce sera retransmis partout en Colombie. Et qui de mieux qu'un journaliste qui vient du pays du champion pour l'interviewer? D'accord, qu'est-ce que va, vous alors, en pensez? On y va, merci. Excusez-moi, messieurs. Benito, viens. Excusez-moi, merci. On est parti, allez. Merci. Tu as tout, c'est bon? Merci. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de glace pour aujourd'hui, mon petit. Tu dois sortir pour laisser les journalistes entrer. Allez, allez, allez. Bonjour. Ah, monsieur le journaliste, enchanté. Entrez. Eh, c'est fait, levez-vous, allez, venez. Je vous présente la mère d'Antonio Cervantes. Non. Et moi, je suis... Non. Pancracio, non, un ami de la famille, d'accord? Oui, je veux voir mon Antonio. Bonjour, Carlina. Arrête, mon regard, ils se connaissent. Très bien, très et t'as bien. Quelque chose à dire pour le journal Le Momento sur le champion? Non, moi, je n'ai rien à dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est Doña Seferina. Ah, ok. C'est la championne du champion. Ouais. Bonjour. 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 Enchanté, je m'appelle Cristobal Roman. Seferina Reyes, c'est un plaisir. Non, tout le plaisir est pour moi, madame Seferina. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la maman du premier champion du monde de boxe de la Colombie, d'Antonio Cervantes, le Kid Pambélé? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Antonio a toujours aimé se battre. Mais je voulais pas qu'il aille dehors parce que j'avais peur qu'il fasse n'importe quoi ou qu'il lui arrive quelque chose de mal. Mais lui, il a toujours aimé traîner dehors. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il devienne mécanicien ou quelque chose comme ça. Et lui, ce qu'il aimait, c'était aller se battre. Le monde de la boxe salue le nouveau monarque du poids welter junior, le célèbre Kid Pambélé. Un jeune qui vient d'un milieu modeste. Il est arrivé à Caracas il y a quelques années, avec la ferme conviction qu'il deviendrait un boxeur renommé. S'il y a quelque chose que je peux dire de Pambélé, c'est qu'il est un homme qui n'oublie pas ses racines et qui, à ce moment précis, est en train de célébrer en Colombie, avec les siens, une victoire qui est née ici, au Venezuela. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer il y a un moment, quand il a perdu le combat pour ce même titre, contre Nicolas Roche. Et il s'avère que j'ai été agréablement surpris en voyant le genre de personne que se révèle être Pambélé. Un guerrier qui n'a jamais arrêté de penser qu'il était dans ce monde pour faire de grandes choses. Et qui en ce moment même, selon nos plus grandes sources, est reçu comme un véritable héros dans sa Cartagène natale. Ne t'en va pas, Venezuela. Ronnie Molina revient rapidement. Bonjour madame, comment ça va? Eh hey. Ah, voilà le type qui va me rendre les billets qu'il me doit. Salut, Cacho. Je vais rien te payer. J'ai bien réfléchi à cette histoire de téléviseur. Et ça me paraît pas juste de payer la location pour quelque chose qui sert plus, sérieux. Comment ça, le téléviseur sert plus? Excuse-moi, mais quand je te l'ai prêté, il fonctionnait très bien. Alors t'arrêtes de faire le mariole avec moi et tu me donnes l'argent et les intérêts. Cacho, ça va, calme-toi. T'es un homme d'affaires, non? Fais-moi une réduction si tu veux des intérêts. Écoute, gamin, je vais te faire aucune réduction. Tu me donnes mon argent maintenant ou toi et moi, on va avoir un problème. Ok, t'énerve pas, Cacho. On va faire un truc. Mon frère arrive aujourd'hui, je vais lui parler pour qu'il te paye tout.
Quand est-ce qu'il va arriver ce fichu Antonio pour me payer, hein? Quand est-ce qu'il arrive, dis-moi? Tout de suite. T'entends pas les gens? Très bien. Je veux voir l'homme qui va me donner mes billets. Non mais sérieux, Cachao, tu vas pas en faire tout un plat. On m'apprendra à faire des affaires avec un gamin irresponsable. Aïe! Moi, Maximiliano, comment ça se passe par là-bas? Non, bien, bien. Je t'appelle pour te dire qu'en fait, va falloir repousser un peu les événements à Caracas, parce que tu vois, Pambele a voulu fêter la victoire avec les siens à Carthagène, tu comprends? Écoute, je pense que les investisseurs vont attendre encore longtemps. Tu leur as vendu un champion national, c'est ça? Et maintenant, il se trouve que Pambele est parti célébrer à Carthagène. T'en fais pas, Maximiliano. On sait tous qu'Antonio Cervantes est de Carthagène, mais le kid Pambele est né au Venezuela. Alors t'inquiète pas, d'accord? Tranquille, ok? À plus tard. Ouais. Le voilà! Je le vois, il est là! Pambele arrive! Pambele! 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 Bonjour à tous, bonjour! Merci, merci les amis, vraiment! Tiens, mon pote, merci, merci beaucoup, mes amis! Merci encore! Merci, vous êtes tous formidables, bordel! Ah, bien! Aurora, ça passe, ces choses-là. On peut penser qu'un homme ne nous intéresse pas, mais dès qu'on entend parler de lui à nouveau, on ressent la même attirance que dans le passé. C'est vrai? Mais oui! Et encore plus dans ton cas, car tu remarques que maintenant Antonio est un homme célèbre. Non, Célina, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit célèbre. J'ai toujours bien aimé Antonio. Et si entre nous ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il a une femme et il va avoir un enfant. Et raison de plus pour pas te laisser abattre à cause de ça, enfin! Écoute, Antonio, célèbre ou non, n'est pas l'homme pour toi, ma belle. Donc tu ferais mieux de le laisser partir avec ses Colombiens et d'en profiter pour te consacrer à ta relation avec Maximiliano, qui, entre nous, à mon avis, est un bien meilleur parti que Pambele. Célina, si seulement je pouvais dire ça à mon cœur. Si c'est pas toi qui le fais, je m'en occupe. Alors, le cœur d'Aurora, bouge-toi, mon petit, parce que Maximiliano est un bon parti. C'est un homme de bonne famille. Et il veut quelque chose de sérieux avec toi. Merde alors, merci, merci, sérieux, merci. Non. T'es un champion, Antonio. Eh, dis-moi, mon pote, tes cheveux, ils ont mangé aussi ou quoi? J'ai pas d'argent, je t'attendais justement. Ah, je suis trop content de te voir. Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ce type-là? Fais attention, je t'ai dit de prendre tes précautions avec ce mec, non? Champion, un autographe, s'il vous plaît. Bien sûr que je te signe un autographe, mon pote. Tiens, regarde. Et voilà. Monde, fais voir ce qu'a écrit le champion. Et champion, vous pouvez me lire ce que vous avez mis parce qu'en fait, moi, je sais pas lire. Comment ça, vous savez pas lire? Eh, t'as pas oublié, gamin. Faut que tu parles à ton frère, ok? J'ai pas de temps à perdre avec ce cirque, moi, là-bas. J'ai ma femme et mes enfants et ma belle-mère en train de m'attendre. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Champion! Champion, mon pote, un champion! Champion, mon pote, viens par là! Les gens sont en train de t'attendre, allez, ils veulent te saluer, hein? Quoi, qui ça? Eh bien, y'a tous les journalistes qui sont là-bas! Hé, reste là, on va parler de ça plus tard, d'accord? Champion! Ouais, j'arrive! T'as pas intérêt à faire le malin avec moi. Attends, je vais te payer, ok? Calme-toi. Maman? Maman, y'a Antonio? Antonio! À la maison. Oh, mon fils héritier de retour. Je t'aime tellement, mon petit garçon. Maman, pardonne-moi. Si, maman, s'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir fait autant souffrir. Tu sais, à chaque coup, je pensais à toi, maman. On a vaincu la pauvreté. Non, mon garçon, mon beau petit garçon, tu n'as rien à te faire pardonner. Tu n'as rien fait de mal, mon trésor. T'as rien à te faire pardonner du tout. Je suis très fière de toi. Maman. Oh, mon petit chéri. Merde, alors là, maintenant, je me sens vraiment le champion du monde. Maman. Allez, viens là, toi.
Monsieur le Président, je suis désolé de ne pas avoir pris de rendez-vous avant. Les règles du protocole sont pour toute la famille. Monsieur le Président, je vous rappelle l'importance de l'hommage officiel pour Kid Pambélé. Au rythme auquel on va, il va falloir donner un ministère à Pambélé. Avec ce titre, il a donné plus de joie au pays que tous les politiciens réunis. Huberlé, s'il te plaît, va en commission spéciale à Carthagène pour ramener le champion au palace. Oui, tout de suite, monsieur. Excusez-moi. Oui, tout est rentré dans l'ordre. Je vais très bien, monsieur le journaliste. Grâce à Dieu et à sa sainte volonté. Eh bien, Donia Seferina, maintenant nous savons tout ce qu'a réussi Antonio Cervantes, le Kid Pambélé, non ? Mm-hmm. Alors ma question est, croyez-vous que maintenant Antonio va être un peu plus responsable ? Bien sûr, parce que mon Antonio est très sage, hein, n'est-ce pas ? Non, maman, quand j'étais plus jeune, je te désobéissais constamment parce que j'allais me battre au port. Mais bon, maintenant, non, je suis un homme nouveau et ma mère passe avant tout. J'ai encore une question. Cette maison est la vôtre ? Non. Non, non. Mais très bientôt, on va avoir une maison pour que ma famille soit tranquille et qu'elle n'ait pas besoin d'aller travailler. Si Dieu le veut, fiston. Oui, si Dieu oui, le maman. Veut. Eh bien oui, je suppose, parce que avec tout l'argent que va gagner le champion, il peut quand même offrir une maison à sa mère. Écoute, Cristobal, il n'y a pas un centime que j'ai gagné qui n'allait pas à ma famille. Tout va à ma famille. Eh bien, merci beaucoup, Donia Seferina. Merci. Un plaisir. Antonio. Merci. Merci pour tout. À plus tard. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao la famille et merci. À bientôt. Bon, tout s'est bien passé ici, les retrouvailles, tout le bordel. La prochaine étape, Caracas. Il y a la moitié de la ville qui attend le champion, bordel. Hein ? Ouais, c'est vrai, mon pote, je comprends, mais... Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille à cause des combats là-bas. Mais je vais bien, je suis prêt pour tout ça. Mais tu dois comprendre qu'il faut répondre au Venezuela. Et je vais te dire un truc avec tout mon respect. T'as beau être né à Carthagène, avoir mangé du yuca, de l'arepa et tout ça. Mais Kid Pambélé est né à Caracas. Et il mange de l'ayaca, un peu de jambon et tout ça. Et il y a des gens qui ont parié sur toi, alors faut aller les voir. Ouais, c'est tu vrai. Tu comprends ? Mercado a raison, mon pote. Non seulement pour les affaires, mais aussi parce que l'entraînement doit continuer. Sérieusement, champion, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus dans ce pays, hein ? Écoute, je vais te dire une chose. Non, non, attends. Attendez, non, Mercado, non, laissez-le parler. Pareil, à chaque fois qu'ils veulent dire quelque chose, c'est parler, pour rien dire. Quoi. Bon, très bien, bah, dis ce que t'as à dire, mais vite temps. Alors. Bonjour, mon ami, comment ça va ? Monsieur Antonio Cervantes ? Oui, c'est moi, de San Basilio de Palenque, c'est pas la même chose. Ravi de vous rencontrer, je m'appelle Huberlé López. Je suis l'attaché de presse de la présidence de la République de Colombie. Et monsieur Rafael Maestranza Forero se fait une joie d'inviter le champion du monde à une réception au palace présidentiel. Vraiment ? Passe. Et vous voulez dire que ça a été écrit par le président de la Colombie en personne ? Eh bien, champion, il l'a pas écrit, mais il l'a envoyé. Waouh ! Et laissez-moi vous dire à titre personnel que nous vous attendons les bras ouverts au Palace Champion. Ah bah évidemment, mon pote, merci beaucoup. Merci à vous. Excusez-moi. À bientôt, bonne journée. Alors, hein ? Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit ? Il va falloir acheter une cravate. Allez ! Ouais, pour aller là-bas bien habillé, une petite cravate rouge, quelque chose d'élégant, quoi. Une cravate rouge ? Edgardo, pourquoi t'es pas parti dormir ? Parce que je suis en colère, Julia. Il arrive, on en fait tout un foin, et il part à l'hôtel, et nous maintenant ? Oh, arrête de mal parler d'Antonio, parce qu'il a dit que quand il serait payé, il nous sortirait d'ici. Et quand est-ce qu'il va être payé, Julia ? J'en sais rien. Mais ce dont je suis sûre, c'est que dès qu'il sera payé, il va acheter une maison à maman pour qu'on y vive tous. Edgardo, viens là, je vais te demander quelque chose. T'en es où avec cette histoire de téléviseur de Cachao ? T'en as parlé à Antonio ? Julia, j'ai presque failli m'attirer des ennuis pendant la parade. Cachao là est venu et il voulait que je le dise à Antonio devant tout le monde pour le téléviseur. Et alors, ce type est fou ? Je lui ai rien dit. La rue était remplie de gens. Antonio était occupé et Cachao est parti énervé. Écoute Edgardo, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on règle tout avant qu'Antonio parte parce que comme on lui a rien dit, il faut pas qu'on ait des ennuis avec Cachao. Je te jure, si t'avais vu ça de tes propres yeux. Les gens n'arrêtaient pas de m'acclamer, ils disaient merci champion. Ils étaient tout contents et tout le monde me félicitait. C'était vraiment super. Ouais, c'est bien. Et tu sais quoi d'autre ? On m'a dit que le président de la République de Colombie veut parler avec moi, bordel. Je te l'ai dit dès maintenant, ne compte pas sur moi. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Carlina ? T'imagines ? Toi et moi, bien habillés, arrivant là-bas sur le tapis rouge, avec le président, alors qu'en temps normal, il nous regarderait même pas. Je te rappelle que si on est ici, c'est...
Pour rester avec la famille, pas pour se balader comme si on était des célébrités. Si ce que tu veux, c'est continuer cette mascarade, ne compte pas sur moi. Kalina, mais pas dans cet état, sérieux, calme-toi. J'ai le droit de partager tout ça avec les gens quand même. Mais t'es en train de m'oublier. J'étais juste derrière toi toute la journée, tu t'en es pas rendu compte. Tu m'as laissé deux fois chez ta mère. Et t'es même pas venu me voir quand il y avait des journalistes. Kalina, j'ai fait très attention à toi et à vous tous même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai le droit de partager avec les gens, avec mon peuple, maintenant que je suis champion. Est-ce que tu t'entends? Mais est-ce que tu t'entends, Antonio Cervantes? Toi, ce qui t'arrive, c'est que le succès t'est monté au ciboulot. Voilà ce qui t'arrive. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Kalina? Eh, tu sais que ce pays a besoin d'un champion dans le sport. Et maintenant, je suis là pour le représenter. Tu vois? C'est enfin mon heure de gloire et j'aimerais pouvoir en profiter autant que je le peux, tu comprends? Écoute-moi, Kalina. Si tu veux pas partager ce moment avec moi, tu n'es pas obligé. Mais moi, je vais en profiter. Parce que j'en ai assez bavé comme ça. J'arrive, j'arrive. Don Pancras. Bonjour, ma petite. C'est tonton Pancratio qui amène des courses pour toute la famille. Bah, dis donc. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez fait de Don Pancras? Oh, ma grande, dis pas ça. Tout ce que je peux faire pour la famille, c'est si peu. Antonio, pour moi, c'est comme mon fils, tu sais. Oui. Et en plus, n'oublie pas, j'ai été le premier à lui donner du travail ici, dans le quartier. Oui, ça c'est vrai, Don Pancras. Ah, hein? Merci beaucoup, Don Pancras. Dieu vous le rendra. Ah, eh bien j'aimerais que Dieu me paie la nourriture. Et qu'Antonio me paie le réfrigérateur parce que la situation est difficile. Oui, j'ai parlé avec mon grand garçon. Et dans les prochains jours, on aura l'argent. C'est vrai? Ah, si Dieu le veut. Bon, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Hey, bonjour mon ami. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Eh bien, je cherche la chambre du champion de boxe Antonio Cervantes. Désolé monsieur, le champion a demandé à ne pas être dérangé. Écoutez, je suis un proche, je suis José Orozco, dites-lui qu'on est des amis de longue date, je l'ai presque vu naître. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Mais désolé, il n'est pas là. C'est de la part de monsieur Mercado. Ouais, merci mon pote, bonne journée. C'était qui? Mercado m'a envoyé ce costume. Je suis certain que c'est pour aller voir le président. Je comprends pas pourquoi il t'a pas donné l'argent, comme ça il n'aurait pas eu à choisir pour toi. Kalina, tu vas même voir le mal là-dedans, hein? Ces derniers temps, tu vois le mal partout. Et arrête un peu, détends-toi, parce que j'aime bien le costume, en plus il est cool. Ah, mon amour. Pardonne-moi, ok? Ah, je crois qu'avec autant de voyages et avec ce gros ventre, je me sens pas très bien. D'accord, mais je crois que ce que tu dois faire, c'est de te calmer. Calme-toi, sérieusement. Tu vas faire du mal au bébé avec tout ce stress. Va doucement, d'accord? Ouais. Mais ça te va plutôt bien. C'est vrai, je te plais comme ça? Ça te va très bien, mon amour. Et ça donne quoi avec la veste? Tu es vraiment très beau. Avec un costume pareil, Antonio Cervantes Reyes ressemble à un roi. Écoute, mon amour, heureusement que je ne dois pas t'accompagner à la réunion. Parce qu'avec mon gros ventre, je ne peux rentrer dans rien. T'inquiète pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à t'acheter des vêtements. Des vêtements très chics pour toi et pour le bébé. Et tout ça pour que tu sois avec moi, parce que si je suis un roi, toi, t'es ma reine. Merci, mon amour. Kalina, je suis certain que si je pars pas maintenant, Mercado va faire une crise cardiaque. Alors bon, j'y vais. Prends soin du bébé. Bonne journée. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Hé, hey, Tabaco, mon expérience ici à Cartagène avec les médias, franchement, sincèrement, je comprends pas. Et commence par l'encensé. Dites Pambélé, le Cartagénois, le champion, et après les 20 minutes qui suivent, ils commencent à dire que c'est un combat éphémère, que le titre a été volé. Je comprends pas, ils ont pas l'air de croire en leur boxeur. Ils y croient pas. Je comprends pas. Ça fait même pas une semaine que le gamin est champion, il a même pas fait sa première défense, il lui retire déjà le titre. Justement, c'est pour ça que je te raconte ça. Ils y croient pas ici, c'est vraiment très différent. Les choses sont différentes, mon pote, tu le sais. Écoute, les conditions de boxeur d'Antonio sont impressionnantes et la victoire contre Fritzo était puissante. Je connais aucun boxeur qui pourrait battre Antonio. Et alors, pourquoi tu me dis ça à moi? Hein? Pour rien. Ah bon, pour rien. À quoi est-ce que tu joues, hein? On dirait une fillette, là, sérieux. Hein? Écoute, dis-moi clairement pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça. Tu veux que je te dise qui est le pire ennemi d'Antonio? Ouais. Lui-même. Réfléchis-y. Bonjour à tous, merci, ouais, merci. Voilà le champion! Orozco, mon pote! Bordel!
C'est si bon de te revoir, mon ami. Palenque, mon vieux, écoute, je suis venu pour t'inviter, tu vois. Ouais, bien sûr, mon pote, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Toujours aussi jeune et beau. Mon pote, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au gymnase de Léga, ils veulent te rendre hommage. Vraiment ? L'idée, ce serait que tu nous accompagnes ce soir. Pour moi ? Oui, on a invité quelques amis et tout. Monsieur, c'est comment ça va ? Ezekiel Mercado, le représentant légal et le manager de ce champion juste là. Superbe look, mon pote, merde alors. L'idée, c'est que tu sois avec nous, tu comprends, et... Eh bien écoute, mon pote, ce serait vraiment un honneur. C'est important parce que les gars s'attendent à te voir. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 attendez, remercie les gata pour nous d'avoir invité l'équipe Pambélé, mais il se trouve que là, on a une réunion. Avec le président de la République de Colombie, donc ouais, c'est parti. Écoute, mon pote, t'inquiète pas. Et je vais partir tôt de Bogota et je te rejoins immédiatement, ok ? C'est bon ? Ah oui, et aussi, il y aura le champion Robayo. Merde, ouais, il faut vraiment que je voie Robayo, mon pote. Absolument, allez. Robayo, on y va, on y va. Prends soin de toi, on se voit après. Allez, c'est parti. À bientôt et merci beaucoup, hein. Dis merci à Legata. Le célèbre Clemente Robayo ? Oui, le célèbre allez, champion Robayo. Allez, Tabakito, on n'a pas le temps, on se dépêche. Allez, dépêche-toi, allez, avance. Tu sais pas qui c'est ? Faites attention, il y a le champion. Très bien, alors je pense qu'ici nous avons un bon espace. J'aimerais qu'on place la caméra là-bas. Comme ça, on a un plan du président, un plan moyen ou alors un plan un peu plus rapproché. Il faudra rajouter quelques lumières et on peut mettre une lumière par là et une autre lumière de ce côté. Pour que... Monsieur Hermès Mestranza, bonjour, comment Mon ça va ? Mon très cher Huberlet. Et Monsieur Felipe Urrutia. Comment ça va ? Et Don Andrés Pombo, ici encore une fois. Huberlet. Comment puis-je vous aider, messieurs ? On sort de l'université et eux aussi aimeraient bien rencontrer Pambélé. Ah, tout le monde veut rencontrer Pambélé, bien sûr. Pour dire vrai, messieurs, je pense pas que vous ayez la tenue adaptée pour le protocole que nous avons aujourd'hui. Et surtout puisque vous êtes le fils du président, monsieur. Mon honorable Huberlet, garde ce chaud pour mon cher papa. Entrez, messieurs, et on va prendre un whisky en attendant. Entrez et installez-vous, s'il vous plaît, en silence pendant que nous terminons de tout installer. Dans ce cas, monsieur, j'aimerais que la caméra soit un peu plus bas. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez appeler Antonio Cervantes, qui Pambélé ? Encore un autre. Tu sais combien de personnes sont déjà venues me voir pour le champion ? Eh bien, je sais pas, mais on en parlera après. Dites-lui bien qu'Edgardo est ici. Et quelle histoire tu vas me raconter, toi ? Mais monsieur, je dois le voir ! Maintenant, tout le monde est défenseur d'Antonio. Je suis Edgardo Cervantes, son frère, alors appelez-le moi, parce que c'est urgent. Le champion vient de partir en voyage pour Bogota. Huberlet, bonjour. Monsieur Cristobal, merci d'être venu. Non, je vous remercie pour l'invitation. Le remarquable Antonio Cervantes, le Kid Pambélé. Bonjour et merci. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir dans la maison présidentielle. Oui, merci beaucoup. Ezekiel Mercado, son représentant, et voici l'entraîneur Bellarmino Plains. Bienvenue au palais, messieurs. Excusez-moi un instant, je reviens m'occuper de vous. Ouais, allez-y, d'accord. Allez-y. Cristobal, Cristobal. Il se passe rien en ce moment avec les autres sportifs colombiens. Parce que ce truc-là, c'est vraiment... Antonio, je vais te dire une chose. Habitue-toi. Car ça va être comme ça à partir de maintenant. Tu es le sportif le plus important de la Colombie. Et même ta voix est plus importante que celle du président. Très bien, messieurs. Le président vient de me confirmer que dans quelques instants, on sera avec vous. Ah, oui. Oui, et, oui. Qui sont ces messieurs, juste ici ? Eh bien, le monsieur au milieu, c'est le jeune Hermès Mestranza. C'est le fils du président. Le fils du président ? Oui, monsieur. Oh, il faut que j'aille le rencontrer. Bonjour. Bonjour, enchanté, mon pote. Antonio Cervantes Reyes. Hermès Maestranza Rango. Je n'ai pas de surnom, moi, par contre. Ouais, ouais. Vous inquiétez pas pour le surnom. C'est parce que, avant que je devienne champion, on m'en a donné plein. Et les gens étaient vraiment embêtants. D'accord, et voici mes amis de l'université. Ah, ouais. Felipe Urrutia, enchanté. Antonio Cervantes. Ezekiel Mercado, le représentant. Antonio Cervantes. Antonio Cervantes. Ezekiel Mercado, le représentant. Ouais, ouais. Cristobal Roman, journaliste. Ouais. Et voici le préparateur physique du champion, son entraîneur Bellarmino. C'est un plaisir. Bonjour, enchanté. Comment ça va ? Hey, ouais. Bon bah voilà, je pense qu'on a fini les présentations. Pambélé ! Pambélé ! Youhou, Carly ! Bonjour, Chispeao. Comment ça va ? Bien. Je pensais que tu étais parti à Bogota avec Antonio. Non, non, écoute, Mercado dit que c'est une réunion pour les personnes importantes. Il est vraiment pas croyable, ce Mercado, hein ? Toujours en train de rabaisser les gens, n'est-ce pas ? Je suis certaine qu'Antonio s'est énervé quand tu lui as dit. Eh bien, ma belle, j'ai juste préféré rien dire au champion. Parce que tu sais, je voulais qu'il aille à sa réunion en étant content et heureux. Tu comprends ? Et puis Mercado a raison. J'ai pas d'habit pour aller dans ce genre de lieu. Et puis, quel ennui d'aller dans la maison du président, ma belle. Je préfère rester ici, à la piscine, à l'hôtel, tranquille, à regarder les belles demoiselles, les petites sirènes.
Bon, par contre, il y a un ton qui s'approche. C'est pas possible. Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Regarde-moi ça. Attention à ce que tu dis, c'est ma mère. Ah, Carly, ma belle, pardonne-moi. Vraiment, je savais pas. C'est une petite blague, excuse-moi. Elle est très jolie, ta mère. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une petite affaire dont j'aimerais discuter avec vous, bien évidemment. Bon, très bien, si ça vous intéresse pas, moi, ça m'est égal. Bellarmino, fais-moi une faveur et viens là un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Ézéchiel? Dis-moi, dis-moi. Va dire à Cristobal que je veux lui dire quelque chose. Qu'il vienne ici, j'ai un truc à lui dire. À Cristobal. Mais il est juste là, pourquoi... Qu'il se lève, parce que c'est très important. Merde, ça va l'arranger, ça va l'arranger. Écoute, Cristobal, Ézéchiel veut te voir pour un truc, je sais pas quoi. Quoi? Ézéchiel a besoin de toi pour un truc, j'en sais rien, moi. Je vous ai savez où me trouver. Qu'est-ce qu'il y a, Mercado? Assis-toi bien, parce que ça va être ton moment, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais? J'étais assis ici. Oui, mais c'est qui son manager, toi ou moi? C'est qui le journaliste? Oui, je vois très bien. Eh bien, tu te charges de la caméra, tout se passe bien ici, mon pote, c'est bon. Comment? Fiston? Voilà. Comment tu vas? Felipe. Bonjour, monsieur le président. Andrés. Monsieur le président. Tout est prêt, c'est bon. Très bien, merci. Voici l'illustre Antonio Cervantes. Enchanté, monsieur le président. Ézéchiel Mercado, représentant d'Antonio Cervantes, enchanté, notre champion. Président. Enchanté. Merci, monsieur le président. Champion. Oui. C'est un honneur pour moi de vous féliciter. Tout d'abord, en mon nom, mais aussi au nom du peuple colombien, je vous remercie d'être venu célébrer cette grande victoire dans votre cher pays. Merci, merci à vous de m'avoir invité. Monsieur le Président, nous sommes prêts à filmer. Ouais. On y va dans 5, surtout reste 4, 4 d'accord. 3, 2... Bonjour. Aujourd'hui, nous proclamons le nom d'Antonio Cervantes Reyes, Kid Pambélé, comme ambassadeur officiel du sport colombien dans le monde. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi t'es pas venu me voir? Peut-être que comme maintenant tu as de l'argent, tu ne veux plus avoir affaire à nous, hein? Maman, ne dis pas ça. Toi et Noreya seraient toujours très importantes pour moi. Et ne dis pas non plus que j'ai de l'argent, tout ça, parce qu'Antonio a gagné, et de toute façon, je resterai toujours la même. Oui, mais t'es quand même pas venu voir ta mère. Eh bien, pour autant que je sache, tu n'aimes pas Antonio. Ou alors c'est peut-être parce que maintenant il est devenu célèbre et qu'il est champion, tu l'aimes à la folie comme les gens du quartier? Écoute, me traite pas comme une personne intéressée parce que je le suis pas. Et puis, arrête de raconter des choses qui sont fausses. Mais tu dois reconnaître que tu ne l'as jamais aimé, non? Et toi, accepte que cet homme n'est pas fait pour toi. Ou alors tu vas oser me dire que tu es heureuse d'être la femme d'un boxeur? Maman, j'aime Antonio. Et c'est déjà suffisant pour moi. Mais là, t'es heureuse? Ah maman, pourquoi tu me demandes ça? Regarde, tu vas avoir un petit-fils. Mais est-ce que cet enfant est vraiment d'Antonio? De qui veux-tu qu'il soit, maman? Tu sais quoi? Cet homme ne te convient pas. C'est la vérité. T'es parti le suivre et tu nous as déjà oubliés. Noreya, elle a 2 enfants maintenant. Et Cachao, lui, c'est le seul qui nous a donné à manger. Et j'imagine qu'on te verra encore moins maintenant que ton mari est devenu célèbre. Maman, je ne vais pas te laisser toute seule. Mais j'ai besoin que tu respectes ma relation avec Antonio. Lui et moi, on est ensemble et on va avoir un bébé. Ah, j'aurais tellement aimé que ce bébé puisse avoir un meilleur père. Antonio va être un bon père, maman. Et arrête de douter de lui. Écoute, je ne compte pas t'abandonner. Dès qu'Antonio me donne de l'argent, je t'en enverrai pour que tu puisses payer la maison. D'accord, ma fille. Tu veux boire quelque chose? Oui. Voilà, c'est bon. Cristobal. Qu'est-ce qu'il y a? Cristobal. Tu veux quoi? C'est juste qu'en fait, j'ai oublié de dire quelque chose à monsieur le président. Oui, on y va, bien sûr. Ouais. Attends, sûr. Qu'est-ce que tu vas dire? Ne vous inquiétez pas, je reviens. Attention, Antonio, fais attention. Berlet, venez une Excusez-moi. Seconde. Excusez-moi. Ouais. Ah, oui, monsieur Mercado. Monsieur le président. Oui, qu'y a-t-il, champion? En fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Oui. Oui. Voilà, ce qu'il y a, c'est que lorsque je suis arrivé dans mon quartier, vous voyez, il y a un petit garçon d'environ 8 ans, plus ou moins, qui m'a demandé que je lui fasse un autographe. Et je l'ai fait, bien entendu, hein. Mais quand je lui ai rendu son cahier, merde, alors ce gamin, il savait pas lire. Je pensais que c'est parce qu'il l'avait pris à l'envers, mais les autres non plus savaient pas lire, et ça m'a vraiment fait de la peine.
Je vous raconte ça parce que je vois que vous êtes là, dans votre beau et grand palace luxueux, et c'est bien. Mais là-bas, sur la côte de Carthagène, à Palenque, dans toute cette zone-là, les gens, les enfants ont pas d'éducation. S'il vous plaît, investissez dans l'éducation, monsieur le président. Et j'aimerais aussi dire au petit garçon à qui j'ai signé l'autographe. En fait, ce que j'aimerais réellement lui dire, c'est... Écoute, ce message est d'Antonio Cervantes Reyes, le Kid Pambélé, pour le champion, ou plutôt d'un champion à un autre champion. Courage, mon pote. Tu vas réussir, ok? Tu vas réussir. Ouais. Merci, monsieur le président. Merci. J'ai terminé. Vous pouvez continuer votre réunion. C'était très bien, Antonio. Merci, Cristobal. Vraiment bien. Edgardo, t'as pu parler avec Antonio? Écoute, Rolia, je suis vraiment agacé. Je suis allé à l'hôtel et on m'a dit qu'apparemment il était parti à Bogota pour parler avec le président. Tu vois, si t'avais parlé avant avec Antonio, je suis sûr qu'il aurait pu demander un téléviseur au président. Dis pas n'importe quoi, Rolia. Tu crois que le président fabrique des téléviseurs? Il faut qu'on pense à un moyen de résoudre le problème avec Katia. Mais comment on va faire si on n'a pas d'argent? Écoute, je voudrais te féliciter pour ce que tu fais pour ton peuple, ok? Ça fait de toi un vrai champion. Hé, messieurs, écoutez. Merci, tenez, Tataco, c'est le président qui les offre. C'est lui qui les offre pour vous, messieurs. Ah, et en fait, il m'a dit que j'allais occuper un des bureaux ici. Alors faites-moi le plaisir de m'appeler monsieur le président. Non, allez, sérieusement. Merci beaucoup. Écoute, je voulais te dire, Antonio. Je vais te dire un truc. T'as été bon, ouais, vraiment. Tu trouves pas, Tabaco? Non, vraiment, je te dis ça parce que tu es un bon type. Tu es intelligent, mais bon... C'était pas ton intelligence qui a parlé, c'était sûrement ton cœur. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est comment t'as réussi à ce moment précis à atteindre l'esprit du président, à le faire écouter ton histoire. La partie intellectuelle, c'est probablement Cristobal qui te l'a dit parce que c'est non, un type intelligent. Il t'a dit ce que tu devais dire. Non. Tu veux vraiment me faire croire non. que c'était toi? Non, tu crois Mercado. Que je suis né de la dernière pluie? Dis la vérité, non, Mercado, Antonio. Non, Mercado, ce qu'il y a, c'est que... Il te l'a dit. Je suis parti de rien, vous savez. Mm-hmm. Et peut-être que vous l'avez pas vécu ou alors que vous ne le saviez pas, mais de l'endroit où je viens, on mange pas tous les jours, vous savez. Quand on se réveille, on pense à nos rêves et à ce qu'on va bien pouvoir se mettre dans le ventre. Et on mange, une fois par jour et pas plus. Et puis bon, pendant ce temps-là, tous nos rêves passent en second plan, comme vous le dites si bien, et c'est comme ça. Et donc, maintenant que je suis champion, ce que je dois faire, c'est de me tourner vers mon peuple et leur montrer que c'est possible. Je dois me tourner vers mon peuple et le soutenir. Et puis bon, c'est une opportunité pour le faire. On y va. Hé, Roscoe, ça va? Bon, figure-toi que je viens d'annuler la fête. Parce que je viens d'apprendre que Palenque est en train de tisser des liens sociaux avec le président de la République et tout. Hein. Non, on l'a fait parce qu'il vient, mon pote. Je viens de parler avec lui et je l'ai prévenu. Et comment il était, Palenque? Tu lui as parlé de nous? Est-ce qu'il se souvient encore de nous autres, les pauvres? Imagine-toi, Palenque. Le type marche comme ça. Le type, il marche comme ça. On dirait une célébrité, on dirait un chanteur qui est tellement impuissant, tu vois. Tu veux dire impressionnant, non? Non, mais c'est pareil, mon pote. Tu sais quoi? Moi-même, en personne, je vais aller inviter le champion à notre fête. On va la faire, la fête! On va la faire, monsieur! On va la faire, la fête! Comme vous le savez, Kid Pambélé est retourné en Colombie, mais bientôt il va rentrer au Venezuela pour s'occuper de tout ce qui concerne son engagement publicitaire. Ah, et on a déjà un plan de travail? J'ai discuté avec le manager de Pambélé pour voir si on pouvait organiser un dîner dans la maison de ma mère. C'est l'endroit parfait pour avoir une réunion en privé avec lui. Bon, alors il y aurait nous, les entrepreneurs, les sponsors et qui d'autre? Il faudrait organiser ça pour savoir quels représentants de marque pourront venir. J'aimerais quelque chose de simple. Je ne veux pas quelque chose de grand. Vous savez que Pambélé n'est pas très habitué à toutes ces grandes négociations. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'inviter sa femme, comme elle a travaillé avec ma mère. Elle était employée et ça nous donnera une certaine confiance. Non, ça me paraît être une très bonne idée. Alors dans ce cas, on devrait nous organiser pour voir qui pourra venir. Tiens, regarde, j'ai une liste d'entrepreneurs qui veulent voir le champion. Alors on a le groupe Caras, tu t'en souviens? Mm-hmm. On a aussi la banque Bolivar. Et dis-moi, tu te souviens de cette famille qui était intéressée? Mais dis pas que t'es sérieux. Tu vas inviter Carlina à ce dîner? Et pourquoi pas? Si elle vient et qu'elle sent que l'attention est sur eux deux, ça va probablement nous aider à conclure des affaires avec lui. Eh bien, je te félicite pour avoir une stratégie si claire, mais compte pas sur moi pour m'occuper de cette femme. Tu n'auras pas le choix, Aurora. Car cet engagement doit être accepté obligatoirement par tous, dont toi. «
À bientôt. À bientôt. Bon, alors, au revoir. Oui, au revoir. C'était un plaisir, mon pote. Merci beaucoup. On est en attente d'une affaire en ce moment. D'accord, c'est bien. Bon courage à Carthagène pour tes affaires. Bonne chance. Champion. Allez, au revoir. Ouais. Au revoir. Comment ça s'est passé avec monsieur le président? Ah, bien, bien. Le président est une personne importante. J'avais jamais été dans la même pièce qu'une personne comme lui auparavant. Bon, et on m'a raconté qu'apparemment tu recherches un instituteur pour enseigner la lecture à des enfants. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Non. Non, absolument pas, absolument pas. Je sais que tu dois t'en aller, mais laisse-moi te dire que c'est un honneur de rencontrer le premier champion du monde de Colombie. Non, non, c'est moi qui suis honoré. Je suis honoré parce qu'on m'a jamais traité de façon aussi spéciale, donc merci pour tout. Eh bien, tu devrais remercier le maître de maison, le président de Colombie. Oui, bien sûr, oui, oui, le président. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, eh bien, écoute, maintenant, je vais à Carthagène pour voir ma famille. Felipe a une maison à Carthagène. Si tu veux, on se voit là-bas. Ah. Ça va te plaire. Ouais. Tu viens quand tu veux. Ah, merci, merci, c'est très gentil. Je vais ramener les femmes. Les femmes, non, non. Non, maintenant je vais à Carthagène et juste après je vais au Venezuela parce que mon entraîneur Tabaquito me dit qu'il faut que je m'entraîne dur parce que vous savez, il faut que je me maintienne, non? Ton entraîneur a raison. Ouais, la discipline. Je vous laisse, excusez-moi, c'est très gentil. Au revoir. Très beau costume, très élégant. Allez, merci. Au revoir. Edgardo, qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, mon frère. Non mais sérieux. C'est quoi cette histoire? Pourquoi t'es venu me chercher à l'hôtel? Ils en ont marre. Parce que je dois te parler pour que tu me prêtes de l'argent, mais c'est pas beaucoup. Et pourquoi tu veux de l'argent? Pour un truc que je vais faire. Ah ouais, depuis quand tu fais des trucs, toi? Edgardo Cervantes. Comment ça, on doit de l'argent à Cachao? Ah, c'est pour ça que tu voulais de l'argent. Dans quoi est-ce que tu t'es encore embarqué avec Cachao? Ah, mon amour, ne sois pas comme ça. La seule chose qu'Edgardo a fait, c'est d'acheter un téléviseur à Cachao. Regarde, il vient de me donner la facture. Ah, et toi, t'étais avec lui? Non, mon amour, je viens de le croiser dans la rue. J'étais avec tes sœurs. Non, mais c'est quoi tout ce vacarme? Maman, cet idiot d'Edgardo a payé le téléviseur et maintenant on a une dette envers Cachao. C'est quoi cette histoire? T'apprends pas, toi, hein? T'apprends jamais, ça rentre pas dans ta tête. Pourquoi tu peux pas être comme Antonio? Pourquoi t'es pas comme lui? Ça arrive quand on veut jouer les entrepreneurs. Antonio, rigole pas. Bon, allez, fais-moi voir la facture. Merde, Cachao, c'est vraiment un profiteur. Papa? Figure-toi que Maestranza vient de m'appeler. Il m'a demandé qu'on organise une fête de bienvenue pour le champion ici au club. Dis-lui non merci. Tu sais qu'ici on prend notre temps pour bien faire. Papa, mais allez. D'abord, je pense pas que ça donne un bon message pour le fils du président, non? Tu sais parfaitement qu'on a déjà fait des fêtes en beaucoup moins de temps, papa. Et si c'est juste pour ça, je vais appeler mes amis. En y pensant bien, c'est pas une mauvaise idée. Et cette histoire de petite fête, ça peut être utile. Peut-être même qu'on pourra faire des affaires avec le nouveau champion. Bien sûr. Oui. Mais... Alors, tu t'inquiètes de rien parce que je me charge de tout. Je vais dire au chauffeur d'aller le récupérer à l'hôtel, d'accord? Très bien. Oui. Va dire au dauphin qu'on va faire sa fête. Super. Merci, mon petit papa. De rien. Merde alors, on a même un chauffeur rien que pour nous. Et monsieur, on est avec Pambélé, vous êtes là pour nous amener? Je suis le chauffeur qui récupère Kid Pambélé avec toute son équipe. Mercredi, en fait, c'est la fête pour les gens de la haute, hein? Champion, je vais aller me changer, regarde. Non, 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 retiens-le, retiens-le. Non, 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 viens là, ok, mais tu vas trouver un autre endroit pour te changer, d'accord? C'est par où, on monsieur? Allez, avancez. Allez, on y va. C'est vrai que t'es moche, mon pote, mais ce qui est fait est fait. Allez. Mon pote, t'as fait une faute, c'est mal écrit, change-moi ça! Bouge-toi, bordel! Merde alors, je savais pas que Legata avait déplacé son gymnase dans un quartier aussi luxueux. C'est bizarre parce que c'est pas... Ça a pas l'allure d'un quartier ici, alors voir un gymnase de boxe à cet endroit, j'y crois pas trop. Non? Dis-moi, Tonio, est-ce que cette fête va avoir lieu au gymnase? Faut qu'on demande au chauffeur. Eh, dis-moi comment on fait, on doit mettre quel indicatif? Non, attends, donne, j'ai déjà vu plein de trucs comme ça, tranquille, je connais. Ah. Dites-moi, mon ami, est-ce que vous pouvez me dire exactement où est-ce qu'on va, s'il vous plaît? Nous allons au Club Costa de Carthagène et nous sommes presque arrivés. Alors, on va où? Hein? On va où? Ah, on va au Club Costa de Carthagène, on est presque arrivé. Club Costa de Carthagène, sérieux? Merde, alors les gata aiment vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ils vont pas me croire à la maison quand je vais dire que j'ai été au Club Costa de Carthagène. Mais on nous a jamais dit que la fête allait se faire dans un club. Maintenant, je suis sûre qu'on va me dire que je ne suis pas bien habillée. Mais non, t'es très bien comme ça, t'inquiète pas, on est les rois de cette fête. Et puis t'es tellement belle que tu vas faire tourner la tête à tous ces types. Cette voiture est tellement grande et cool qu'on pourrait y vivre et même faire sa propre ferme ici. Bordel.